Donc, quand elle voit la femme, elle est déjà impressionnée de son humilité. Déjà, c'est rebambélé parce que la femme a besoin d'elle. C'est-à-dire que c'est pas. Bon, tu Que vas me dire. oui. Elle, Homme, tout d'abord, si elle a écoutez. coulé, la femme est plus coulée qu'elle. Là, de dire, Viviana, c'est sur le panel de sèche que moi je l'ai connu, tu comprends? Oui. Homme, le côté, ce que j'entends de dire là. À l'unanimité, tu demandes à tous ceux qui sont dans les commentaires qui connaissent bien Viviane. C'est une gaule là, elle parle trop et puis elle aime trop se vanter. Quand on est sur le Ah panel de bon? sèche là-bas, quand on est sur le panel, il faut demander dans les Elle commentaires. Demande dans les commentaires. Elle est tout le temps. C'est-à-dire qu'elle là, quand on est chez Serge et puis on parle insulte d'un quoi comme sujet. ça? Elle insulte parce qu'elle fait partie de la team de la Ecalon. Voilà. Et puis quand on parle d'un sujet, par exemple, ceux qui a trait au droit comme ça, les trucs juridiques, les sujets qui sont, voilà, d'autres juridiques et autres là. Elle vient souvent donner son avis. C'est comme ça qu'on l'a connu quand il y a eu l'histoire avec Elle va Observateur là. citer le nom des gens de Côte d'Ivoire que oui, ils Voilà. mettent tant, En fait, ils mettent peut-être que tant. tu la connais. Elle aime se montrer. Elle, au fond là, que non, je connais le procureur. En fait, non. C'est pas tout. Il faut dire sur les réseaux. Moi, c'est tout mon problème qu'il a. Parce Ouais, qu'aujourd'hui il là, on faut va beau dire. parler, on va beau dire. Quand ce buzz va passer là, tout. Qu'est-ce que les gens vont retenir? Les gens vont retenir, c'est une femme qui se tait pas. C'est une gouale qu'on ne peut pas confier secret. Tu comprends? C'est que, qu'est-ce qu'on va dire, oui, là, maman, elle, là, mon cas, elle est déjà vieille. C'est qu'en 6 ans, elle s'en fout. Viviane, elle fait quoi ça? Elle est dans les commentaires, elle n'est pas connue, elle n'est Mais pas elle est dans personnage les public. commentaires, mais je veux dire, Edwige, j'attends, toi-même, là, je veux dire que c'est ce que tu. Parce que, en fait, non, à plusieurs reprises, tu comprends? Moi, par exemple, on dit, je suis, moi, j'aime insulter, j'aime provoquer. Non, mais moi, c'est quand on m'insulte, je réponds. Tu comprends? Mais, en fait, sur plusieurs panels, Oui. aujourd'hui, on dit qu'il y a une gomme qui m'a dit faire panel pour la clasher. Parce que quand il y a eu le problème de la dame, on dit qu'elle est sortie avec un prêtre. Elle a fait un frein sur la vie de la bâtiment. Elle laisse sa bouche dans tous les sujets. C'est-à-dire qu'elle connaît tout. Elle connaît le procureur. Elle est au RHDP. Elle connaît le ministre. Même la sur le panel de Ouakara, elle n'a pas dit qu'elle connaît le ministre Touré. Que ce sont ses patrons. Ah! Il veut dire que, en fait, sa bouche est dans tout. C'est-à-dire qu'elle connaît tout. Abidjan ici, c'est-à-dire qu'il connaît tous les grands En tout cas, points. elle a démontré, elle a Mais démontré parce qu'elle a si on montré aime le plus bien grand aussi, bien aussi, quand cardiologue. tu as tout démontré comme ça sur les réseaux là, quand la femme quitte de son bain, elle quitte en bain pour venir, mais en tant que. Tu dois cacher ta vraie parce que ta vraie, tu veux qu'on danse Voilà, là-dedans. les relations Elle de était celui. honnête. Mais Mathieu, tu ne peux pas faire elle les n'a pas dit qu'elle est RVP. riche. Non, non, Elle tu ne peux l'a pas rester montré au ses poste. contacts. Tu vas me trouver quelque part, ils vont faire RVP 1000 Non, mais fois pour ça. monter dans le taxi. Mais Tu dis vas ça se monter fait 3000 pas. ou Tu autre n'as chose pas. comme ça. Les relations comment on se préserve. Tu comprends? T'as pas venu citer le nom des gens comme ça sur la toile. Est-ce que le professeur t'a dit qu'il veut être célèbre? Tu peux dire non, je l'ai mis en relation avec un grand cardiologue, tout et tout. Tu Mais comprends? dis En fait, c'est non, je veux riche. te. Voilà, mais je veux te dire qu'en dehors de ce qu'elle fait, en dehors de tout ce qu'on peut dire, tout et tout avec mon oncle, mais je veux dire, elle, en tant que femme, là, elle n'a qu'à apprendre à se taire un peu. Tu comprends? Parce que les relations, il y a, de même, il y a un exemple, si demain elle a un problème comme ça sur la toile, les gens ne voudront pas l'aider parce qu'elle est en train d'exposer au fait ses relations. Et C'est puis, pas même là, bon. mais vous-même, vous vous attendez à quoi? Regarde, elle expose ses propres relations. Donc, comment ça vous étonne que quand vous faites parler à la mère qui est malade, là, elle vient dire en même temps tout de suite, en voulant défendre, elle casse les papos. Vous savez que c'est sa vie qu'elle a de Elle n'était dire pas les en train de choses. défendre ma viola, elle a la moitié, elle est en train de Elle demande renchérir. de C'était pas défendre défense. une montée. Ah, elle est en train de renchérir. Elle est en train de renchérir, c'était pas défense. Mais pourquoi elle fait comme si Moi, elle je faisais défendait? mon panel. Moi, je faisais mon panel tranquillement. Elle est montée. Elle est venue me trouver. Elle a l'habitude de monter souvent sur mes lives. Donc, elle est montée. Quand elle est montée, moi, j'étais Biama, une go et calandaise qui m'a insultée là. Donc, ils ont été la Biama. Elle est montée. Comme c'est ma bonne vieille mère, je la connais sur le panel de Sèche. Elle est venue. Écoute, comme ça, elle me demande. Ah, bon, on a commencé à causer. Puis en même temps, c'est parti. Que non, mon cala, tout et tout. On parlait en fait d'un sujet qui s'est passé Oui, sur. voilà. Mon Dieu, elle est informée. 2 jours là, elle est Non, allée. je Elle suis suit tous les sûr, bérets. je vous suis un peu, mais vous, elle, par contre, toi, où elle est partie dire qu'elle n'est pas suivie? C'est dans les rediffusions où on dit qu'elle est partie faire la poucave chez toi, là. Et puis, maman, maintenant, la maman Carla l'a pris de côté pour dire, mais pourquoi tu as dit ça là-bas? Pourquoi tu as dit ça là-bas? C'est à partir de là que moi, j'ai commencé à suivre. Tu l'as pas suivi au début quand Ouais, Kamel pas était en suivi. train de Du coup, elle est renchérir pour partie dire qu'il n'y a pas chercher pour, et toi. puis elle est sortie pour dire qu'il n'y a Donc, pas ça pour. veut dire qu'elle-même, et puis maman Kala, même là, dans le secret, elles ont des soucis. Peut-être que depuis qu'elle ne se parle pas, peut-être qu'elle lui en veut quelque part, peut-être Non, qu'elle lui en veut pour les elle se 3 000. parlait. Mais elle se parlait, mais tu sais, quand tu as une camarade, et puis, genre, elle est fatigante. Mais en fait, Mais est-ce que elle a si elle vient cassé. se parler sur panel, les gens vont savoir ça l'incrimine? Pourquoi elle peut parler? C'est pas un Non, enfant? elle a cassé. En fait, la femme a cassé le rythme. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que, un peu comme tu vois, c'est comme Mambi, au moins, elle te voit. Et puis, je te vois, toi, et puis, au moins, on se voit, et puis, je vois que tu tapes pas, tu piques pas. Tu vois comment elle te banalise là, non? C'est comme ça qu'elle vient de commencer à banaliser la dame. Et puis, Viviane était pressée de venir dire que maman Kala même a tché. Non, mais Elle attends, était pressée mais. de venir dire ça. Mais non, mais soyons un peu plus sérieux, c'est pas gentil, tu vois. C'est une maman, nous tous on a des mères. Moi, Ah, hier, Viviane, on va être maman.
Non, mais Edwige, j'attends. Tu sais, pourquoi Non, il dit ça? Parce que. moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est C'est Viviane, pas. Viviane, en fait, trop. Non, c'est pas gentil. Tu sais, moi, je dis, c'est vrai, on a essayé de rancher un peu. Moi, je dis, j'ai fait un panel le matin, mais je dis, la dame là, la maman même là, elle n'est pas sage. Parce que moi, je ne peux pas venir l'insulter parce que je n'ai pas eu de problème avec elle. Mais je suppose que si je dois parler à ma maman, je n'ai pas venir crier. Donc, je vais parler doucement pour dire que elle-même n'est pas sage. Elle s'est trop ingérée dans les problèmes des gens. Elle a trop mis Ça sa n'a bouche rien dans tes à histoires. voir. La femme est venue nous dire ici que Viviane, elle est partie dire à son pasteur. Écoutez ce que la femme aussi a dit. Est-ce que pourquoi vous écoutez pour Viviane seulement? Ce que Viviane a fait, ce n'est pas bon, mais ce que la femme a fait, ce n'est pas bon. La femme a voulu mettre le problème sur le pasteur. Elle vient dire que c'est le pasteur. Elle est partie expliquer au pasteur. Ça, c'était sa première Qui version. La a deuxième expliqué mon version. pasteur? Deux affaires là. Elle n'a jamais expliqué ça à Viviane Affaire de elle-même. papier là. Que Oui. Viviane ne savait pas. Que ça, son pasteur l'a expliqué au pasteur de Viviane. C'est le Comme pasteur de si le Viviane qui a dit à pasteur Viviane. compato, le pasteur m'a-t-il dit à Viviane? Après, elle-même, elle est revenue pour dire qu'elle n'a expliqué à personne. Et que c'était Glagla qui savait. Comme si c'était Glagla qui avait expliqué à Viviane. Après, elle est revenue encore venue dire qu'elle est au téléphone, elle est son assistante sociale. Et Viviane a entendu. Avec trois versions, C'est ils ont entendu son clair. aussi. La Là aussi, femme oh, entière, elle elle a a son modèle. appris. Nous, on fait quoi Mais avec Viviane? Viviane du coup, est comment inconnue. ça s'appelle? Elle vit actuellement à la mer, elle est à Abidjan. Ou bien elle est retenue en France. Elle est encore à Ah, Abidjan là-bas. Abidjan. C'est gâté si elle. C'est ça, on ne sait pas parce que d'après Lady, son dossier est depuis avant que l'affaire là-bas sorti là. Affaire là-bas sorti quand même. Il a oublié donc son dossier à la préfecture là depuis ça fait 3 semaines avant que l'affaire là-bas sorti sur les réseaux. Ça, elle va faire une dépression. Vous, les bengis, ça, quand vous ne pouvez plus partir, quoi, c'est dur, hein? Non, si elle n'a pas le problème de Non. papier, elle pourra vous revenir. C'est un visa retour. Ça met du Mais temps une pour demande traiter, normale. vous. Elle va faire une demande normale. Voilà, Mais en c'est fait, elle c'est. maintenant qui a pensé qu'il fallait appuyer son dossier, au fait. Mais en fait, c'est plus à cause de son souci de santé. Parce que, étant en Europe, là, il y a un traitement qu'elle reçoit par rapport à. Parce qu'elle a dit, j'ai. Je pense qu'ils vont accepter vu qu'elle est malade. Elle doit se soigner. Attends, attends. Il y a un traitement, il faut quoi? J'ai suivi un live où elle disait que quand elle était en France ici, là, elle n'avait pas besoin de cardiologue. Parce qu'elle était en France là-bas, c'était un peu. Il y avait une association, un truc comme ça, elle expliquait un truc comme ça. Alors pourtant, en Côte d'Ivoire ici, comme c'est une opération qui est un peu délicate là, elle avait besoin d'un professeur pour, je sais pas faire quoi là, en tout cas, pour lui faire le papier, mais je sais pas pour faire quoi. Parce qu'elle saignait. Pour ça, Étant obligée, elle saignait. traitement anti-rejet. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire, quoi. C'est en France, il y a ça. Vous Ah, êtes mais sûr attends, elle a que expliqué là. moi, Non, ma mais maman. elle dit, étant Si elle a là-bas, là, elle n'a pas commencé à besoin se traiter forcément en de France, cardiologue. si elle a commencé à se traiter en France, vous-même, vous êtes en France, vous n'avez pas dit que là-bas, l'hôpital est moins cher que vous êtes mieux pris en charge et tout. C'est mieux C'est pour ça elle que d'être j'étais en train là-bas, de non? dire. Ma bio, en France, si, quand tu voyages, déjà, tu voyages avec ton traitement. Tu ne peux pas partir en voyage sans ton traitement. Et c'est les infirmiers là-bas ou bien les médecins de la main qui te font, qui te donnent. Moi, ma maman, quand elle vient en France, elle a son traitement, quand elle s'en va là. Son traitement là, c'est-à-dire que le médecin, si l'ordonnance est donnée, si nous on s'en prend le médicament, puis on l'envoie. On l'envoie. Maman peut partir, faire 8 mois, elle revient. Elle peut partir, faire 6 mois, elle revient. On dit rejet de quoi? On lui a fait greffe de cœur. Elle a pas dit qu'on lui a La donné des balles. prothèse. La prothèse. Quelle prothèse? Elle va. Ils ont Sa enlevé son cœur prothèse. et puis ils ont mis prothèse. Bon, je sais pas, mais elle dit que. Mais quand même, quand Glagla a parlé, Glagla a dit ça. Les gens pensaient que c'était pacemaker porté. Elle a dit que c'est pas pacemaker, qu'elle a une prothèse avec des valves. Pacemaker, c'est quoi encore? Donc c'est un faux cœur là, quoi. Pacemaker là, c'est un appareil là. On met C'est dans le comme cœur. un truc, quoi. Comment ça C'est une s'appelle? pile. Une prothèse, j'ai un faux cœur. Une pile. C'est Eh, comme une pile. mais attends, c'est quelqu'un qui a pile qui est sur direct comme cela là. Non, mais elle a dit qu'elle n'a pas pacemaker, que pour elle, là, cette Elle se prothèse, décharge c'est. pas, ouais. Faut pas ça se décharger en live un jour. Elle dit. Hey! Les tatas, donc, elles sont Non, reposées. elle n'a Hey! pas pacemaker. Elle n'a pas pacemaker. Elle, On là, nous c'est une vend plus les poupées, prothèse. là. Ça fait pitié, ça me fait mal. Bon, elle me fait mal. C'est une Ma maman. biologie pacemaker, là. Yeah, c'est ça que dans son corps. Tu vois où on met Non, non? Tu vois que elle n'a là, pas non? ça. En bas, là. L'image qui est en bas, là. Maintenant, attends, on va aller chercher. Valse. La On fait décrypteuse en quoi pour chef Florence maintenant. Allo là? On va devenir médecin aussi. Ouais, elle vit, je laisse pas. Bien, la France, c'est C'est une pour faire menteuse. battre le cœur, quoi. Oui, c'est pour. Ça remplace. Ça remplace le système naturel du cœur.
non, de toute façon, là, les grandes maladies comme ça, mais rancher, mais rancher, dans rancher, là, ça finit pas aussi. Tu n'as pas, tu n'as deux cœurs, toi, tu rancher comme ça. Ah, maman. Vous êtes étonné, puis moi, en tout cas, elle me fait un peu de peine. 2 jours, là, elle est un peu trop truc et tout. Elle me fait un peu de peine. Elle s'en sort même pas. Elle est prise en défilé d'une manière. En plus, elle ne peut pas revenir. Elle me fait un peut peu pas aller. Où elle est partie, c'est maintenant quand même. Et puis, en plus, elle est à Abidjan. J'imagine même pas ce qu'elle vit. Puis, là, on finit. Galette à Abidjan, elle, c'est pas mieux. Moi-même, je crains plus pour sa santé. Parce que je me demande si les gens pourront la traiter comme étant là-bas. Si bien, on a compris. Hein, c'est ça qu'elle a. C'est ça qui est dans son C'est cœur. Val. À nous, on met ça, non. C'est une opération ça, très... c'est une opération grave, hein? Oui, très délicate. Hein. Elle est van, là. Qui est-ce que de comment moi, avec moi, quelle relation? C'est moi, c'est sur ma relation, pardon. Va facile. C'est pas facile. Donc, ça me doit se reposer. Même toujours sur les panneaux à cœur ouvert, là, vraiment. Mais ma, mais toi, tu dois te reposer. Non, mais c'est mon repos. Là, tu reposes comme ça. Là, mon repos est fait comme ça. Je cause un peu. Je suis seul audio. Il y a personne qui me surveille. Donc, là, je cause un peu avec vous. Je me sens mieux. Ils ont commencé à me masser, là. Donc, ça va. Je suis couché sur mon dos. C'est quand ils marchent, là, que ça me titille trop, trop. Mais là, je suis couché sur mon dos. C'est quoi, BBL? Oui, il y a un peu de sauce. C'est sur mon table. Vous avez des informations à me donner. Il y a un rocher aussi. Non, au moment où vous avez rangé, là, ça vient. Il a fait un peu de son. En tout cas, il a coupé. Il sait que ça a tué. D'ici 2 mois, 3 mois, comme ça, il a bien mérité. Oui, oui, il faut la voir, faire des Emma là. Il y a beaucoup. Faut la voir, elle était dessus. Je m'en vais au tribunal. Je m'en vais au tribunal, je suis arrivé au tribunal. Faut la voir. Elle était devenue avocat. Hein. C'est elle qui était assise dans les tribunaux de Paris. Qui ça? La mère. La femme qui avance dans sa poitrine. Elle vit chez Grafté. Je fais doucement la mère. Elle fait pitié. Elle veut être chez elle aussi. Elle n'est pas malade. Aïe. Hein? Attends. Elle vit. Toi, tu penses qu'elle fait comme pour Flora là? Tu as un mal, toi, maman Biono. Toi, allez là. Tu es couché. Tu as mal, tu as une douleur. Mais tu dis, si 7 mois, c'est fini. Tu es guéri. C'est comme quelqu'un l'opère. Bien, on va dire, par exemple, quelqu'un, il l'a opéré, ils ont coupé son pied. Ils l'ont mis prothèse, il met son pied, il porte son pantalon, il s'habille, il s'en danse, il s'en travaille. Il dit, il est malade. Il est malade où? Non, mais souvent, il y a des maladies un peu fortes là, ça te reste un peu les séquelles, les trucs. Peut-être que les gens qui ont diabétique, ils sont malades, les gens qui ont tension, ils sont malades. Ils sont malades. Toutes les maladies incurables. Toutes les maladies incurables, tension, c'est maladie, tu peux mourir, tu peux dormir, puis tu meurs même. Mais dis-moi, tous les malades, on se promène alors. Oui, tension, elle est hypertendue. Quand tu as tension, tu prends un médicament à vie. Elle a fait un infarctus. On l'a opéré, on a fini de l'opérer. Il y a eu la solution, c'est de mettre la valve. Et puis elle vit tranquillement, ça. Tranquille. Comme quelqu'un qui a le non, mais c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Mais si on dit à chaque fois qu'elle a des visites, elle doit faire des trucs là. C'est pas comme si tu. Mais les choses sont bien, à chaque fois, il faut voir des médicaments. Quand tu finis de mettre valve, ça donne, c'est fini, quoi. Tu bois même plus petit comprimé, rien, tu vis tranquille. Comme quelqu'un qui a tu fais un traitement anti-régène. Donc, c'est ton traitement comme les gens qui ont le VIH. Donc, c'est une que Flora Zalo a raison. Elle n'avait pas à critiquer Flora Zalo. Si on va dire qu'elle est malade, c'est quand on dit que Flora aussi est malade. Bah, elle Flora prend un médicament tous les jours. Oui, mais Flora aussi, là, elle vient trop se mélanger. Flora aussi, quand tu as un cancer. Mais aussi, la Flora, quand tu t'es promenée, elle dit que j'ai pris dans mon cœur. J'ai des vases dans mon cœur. Mon nez teigne. Je suis hospitalisé. Je dois faire injection. Tout ça, ah, bah, voilà la preuve. Si elle a même une valve, ou bien c'est pas quoi, elle a chargé dans son cœur et puis son sang coule dans son nez. C'est que tu as pas son sang coulé dans son nez. Donc, elle dit quand elle est partie déposer. Elle est partie te poser visa en retour là, donc les blancs n'ont pas vu ça. Eux, ils la bloquent là-bas. Mais Bigan n'a pas vu le topo de son année là. Elle n'a pas vu, hein. C'est la femme qui l'a bloqué. Bigan a dit à Josie que la femme l'a appelé au téléphone la nuit. Elle dit, Bigan, tu veux mourir. Moi, souvent, quand il y a le sang qui coule dans mon nez, moi, j'ai ça. Moi, souvent, je suis là, je saigne du nez. Quand il fait trop froid. Moi, quand il fait trop froid, souvent, je saigne du nez. Oui, ça arrive aux gens aussi. Oui, deux fois là, tu t'en vas à l'hôpital pour qu'on puisse protériser. Oui, moi, Lilian a dit que son téléphone, la femme lui a dit, elle n'a jamais vu la femme saigner du nez. Viviane m'a même demandé à Josie, tu es sûr que la femme est malade? Viviane même a dit ça à Josie. Elle a envoyé la femme voir le cardiologue, c'est tout. Elle n'a jamais vu la femme malade. La femme, elle est en forme, si elle est bien, elle est bien en santé.
Elle vient parce qu'ils ont fini l'opération. L'opération a réussi. Rejet, là, c'est au bout des deux premières années, ou bien le tout des deux premiers mois. Après, c'est fini. Rejet, là, c'est toute ta vie, quoi. Mais elle mérite de revenir en France. Elle me fait pitié. Elle me fait pitié. Elle va venir. Ça, non, elle va venir. Elle est rentrée sur le bus qui est venu. En fait, toi, tu trouves qu'elle renchérissait un peu trop, pourtant elle avait ses propres mots au placard. Non, moi je trouvais que, pensons que nous on est en train de trouver argument à Vivienne. C'est comme ça qu'elle trouvait argument aux gens qui sont mauvais. Et puis elle fait comme si, genre, elle est en train de défendre. De toute façon, juste en train de faire, elle dit qu'il ne faut pas défendre Vivienne. Vivienne même n'est pas bonne quand elle dit la vérité. Là. Et puis moi j'entends bien ce que Josie dit. Et puis elle est en train de convaincre Josie que Vivienne est bonne. C'est ça qu'elle fait. Je l'enlève entre vos fashion de police. C'est un problème. S'il vous plaît, il peut parler un peu. Non, là, il ne faut pas parler. Il peut parler. Parle, mon chéri. Moi, personnellement, là, je pense effectivement qu'elle n'est pas malade. Je pense que ça, c'est un montage bien organisé. Parce que cette mamie-là, elle est très maligne. C'est vrai que c'est une mamie et tout, et tout, et tout. Qu'on doit avoir, on doit avoir un peu de compassion. Mais avoir de la compassion, ce n'est pas être naïf. C'est pas parce qu'une femme atteint un certain âge qu'il faut oublier tout ce qu'elle a fait. Comme on le dit, les morts même là, c'est parce qu'ils sont morts qu'on oublie tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Soyons réalistes. La mamie, la même là, c'est une casse-cou. Elle fatigue beaucoup. Tu ne peux pas dire que tu es Abidjan, tu as tous ces problèmes là, et puis tu es en ligne sur TikTok, ta bouche est dans toi, alors que tu as des problèmes de cœur, et puis tu as des problèmes pour rentrer en France. C'est que tu n'as pas de problème. Parce que moi-même, si moi, je viens en France, qu'il arrive en Côte d'Ivoire, qu'il y a un problème pour rentrer en France, ça. Mais elle est venue fou, elle est paniquée. Mais toi, tu as un problème de cœur, même, tu ne paniques pas. Tu as le cardio, juste quand tu viens sur TikTok, même, venir discuter, pour venir donner tes raisons et tout. Cette mamie, elle n'a rien. Le premier procès de Emma, c'était quand? Quelqu'un qui doit faire un traitement anti-rejet en France ici, elle ne peut pas prendre elle peut pas partir en Côte d'Ivoire plus de deux mois. Procès de Emma, c'était quand? C'était en février, non? Le premier procès, la date du premier procès. Attends, le 2 mars. Encore tu vois pour le procès, quoi? Elle était en Côte d'Ivoire, en train en fin de Cannes, ou bien. Je sais pas si c'est la fin de la Cannes. Ah, moi, il la voit partout, les trucs en jean bien, elle partait dans les coins et tout, les pantalons en jean bien. Qu'est-ce qu'il envoyait en Côte d'Ivoire? C'est Warrior. Non, mais c'est parti, c'est tout récemment. C'était pas le 26 mars. Le premier, c'était le 21. Non, ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième qui a été rejeté au 21. Où ils sont venus mentir qu'il y a combien de milliards de maisons qu'ils ont dit là. Avant ça, il y avait le premier procès. Qui était le premier. Quand il y avait l'anniversaire de mon neveu, là, elle était là-bas, non? Ça, c'était quand ça? Le premier, c'était le 21. Ou bien c'est le deuxième qui était le 21? Non, c'est le deuxième qui était le 21. C'est la date de l'appel, Henri. C'est la date de la peine. Elle n'est pas innocente dans cette affaire. En fait, la construction devait partir à Abidjan d'urgence. Oui, ça, j'ai vu ça dans les rediffusions. Mario, depuis quand la construction. Quand tu viens à Abidjan d'urgence, là, tu t'assures que tu peux rentrer en toute liberté. Tu t'assures que là, ton aller puis ton retour. Non, j'ai pas du premier. La première date de procès, le premier procès, là, elle était à Abidjan. Est-ce qu'elle n'a pas été rapatriée? Elle était à la Cannes. À la Cannes. Non, hein, elle est en France ici, elle est vieille, elle est sautée partout. Hein. Elle n'a pas fait la canne en Côte d'Ivoire. Elle a vu cette vidéo en Côte d'Ivoire, je pensais que c'était pendant la canne. Hein. Elle était là-bas pour la canne. Bon, toi, moi j'ai vu ta vidéo où elle était. Ils ont serré les cuillots, mais ils vont déterrer là. Elle est en France ici. Avec Abidjan, et c'est en France. Elle est venue après la canne. Elle est venue. Mais il y a Benguis qui attrape un papier au sérieux comme ça. Comment tu peux avoir des petits bobos? Elle est venue depuis mars. Elle est venue en mars. C'est ça. Elle est partie pour son restaurant, en fait. Elle doit être partie pour son restaurant. Quelle masse de ça? Là, elle est partie. Comment une femme comme elle, censée être éduquée, avoir des manières, connaissant tout, qui voyage, peut se tromper sur ce genre de choses-là? Tu dois être sûr de tous tes papiers. On ne voyage pas comme ça. Tu ne peux pas voyager puis avoir tes papiers en défaut. Ça, c'est un gros problème. Ça, là, même à sa femme, ou bon, oui, ça. Peut-être qu'on sait que la chemise n'a pas pris. C'est Boro Willy sage. Non, ah, Boro Willy. La mère veut allumer télé aussi. Les jeunes allument, veulent allumer aussi. Mais pourquoi c'est pas juste parce que tu vas prendre quoi même? Ah, c'est ça. C'est difficile à comprendre.
Ah ouais, elle est pour elle. On peut lui trouver des excuses, mais en tout cas, elle n'a pas de circonstances à tenir. Moi, c'est le numéro de Vivian, monsieur. Je vais lui envoyer 20 000 petits wolf. Ah, faut demander à maman, elle est bien. Maman, elle est déjà son numéro. Moi, mais elle est vive, regardez. Vivian a tous les sponsors. Elle a tous les sponsors. Et puis, elle va envoyer à son fils. Elle va dire, c'est pour faire Jean-Jean. Non, elle va l'argent, quoi. Elle va dire, c'est pour faire Jean-Jean. Elle va faire Jean-Jean comment? Aïe. C'est pas la sorcellerie. Il paraît que la mère lui de Dieu lui a famou 500 euros. C'est pas la sorcellerie. C'est ce que j'ai entendu hier. Mais elle a l'argent. Non, elle n'était pas la mère. Elle a pas la menti qu'il y a une dame qui s'appelle Gladys lui a donné 500 euros. Après, elle dit c'est pour faire Jean-Jean. Donc, c'est pour faire Jean-Jean. Donc, en 2023, je vous renvoie la vérité. Moi, je pense que tout ça, là, c'est film. Il a dit que Viviane, même là, elle va nous servir encore bientôt. C'est trop passé. Je la suis de près. Elle va venir nous servir encore deux jours là. Viviane a vraiment cette femme qui parle beaucoup là. C'est qu'elle a bien tout préparé actuellement là. C'est l'introduction l'a envoyée. Ça m'étonne parce que je sais que la femme là, elle-même elle faisait partie de la groupe, du groupe de l'influenceuse. Elle-même elle était de la team. Elle et puis Viviane se connaissent très bien. Elles ont manipulé le plan là, toi, Viviane, la maman là, plus comment elle s'appelle? Glag là, les trois là. C'est un faux buzz, elles sont en train de nous fabriquer. Je ne crois pas à l'affaire là. C'est tout, ça n'a pas de sens, mais. Mais buzz aussi, où l'attentat a duré quoi en France, à Abidjan aussi, tchè. Elle a duré. Aïe, le gars est parti faire 6 mois à Abidjan. Quand ton papier est bon, tu t'as Abidjan, tu peux taper Aïe, quand ton papier est bon, tu t'as Abidjan. Il y a des gens qui vont à Abidjan, tapent les 3 mois, 4 mois. Si elle est partie pour consulter, elle ne sait pas qu'elle a fait 3 mois même. Le truc aussi, elle s'est trop tirée par les cheveux aussi, leur histoire. Non, mais moi, j'ai fait 5 mois. Elvis, oui. Moi, j'ai fait 5 mois à Abidjan. La dernière fois, je suis rentré. Voilà, j'ai fait 5 mois à Abidjan. Vielle, elle aime trop Bengue. Elle aime trop Bengue pour dire Abidjan quoi, sérieux. Elle aime Bengue. Aïe, vous l'entendez pas parler ou bien? Elle est fière d'être en Bengue. Elle aime Bengue. Elle va venir se pour Abidjan quoi, alors qu'elle peut rentrer. Elle est bloquée. Comment c'est moi aussi? Comment est-ce qu'elle est bloquée? Elle aime Bengue. Elle aime. Mais si non, c'est un vrai, buzz, là. C'est un buzz. Si c'est un buzz, là, c'est pas vrai. La première des choses, tu arrives à 10 ans. Vous mettez la sorcellerie. Viviane qui a bouche comme c'est ça. C'est la sorcellerie. Elle s'est vantée là, elle n'est pas venue montrer sa vraie carte. Elle dit que ça fait 13 ans. Elle n'a pas mis ses pieds à Abidjan. La vieille mère là. Oui. Ça peut aussi être la sorcellerie aussi. Ça peut être la sorcellerie. C'est ça. Mais si c'est ta mère est venue, elle m'a fait compter son frère. Si c'est buzz là, c'est qu'elle n'a pas problème de cœur. Parce que tu ne peux pas avoir problème de cœur puis vouloir venir créer un buzz là encore. Tu es vieille, tu as problème de cœur. Là, tu vas te reposer, tu vas te distraire sur TikTok comme tous les vieux à la retraite là. Toi, tu veux faire buzz à ton vieux âge. Quand tu dis aux gens qui sont vieux là, ce n'est pas injuste. Nous tous, on envoie à vieillir. Mais quand tu es vieille là, tu ne connais pas appeler la Mon fils. Mon fils, c'est un jus pour nous, c'est un jus. Quand on est vieux, là, c'est un jus. Non, elle ne peut pas être un jus. Elle dit la team des mamans ménopausées. Non, j'ai dit ça pour rigoler. J'ai dit ça pour rigoler. Moi, mais c'est moi, ma biomécie la plus chère. Ah bon. Mais toi, t'es vieille. Mal au dos. Vieille, même là, c'est une grâce. Ma vie, toi, t'es une grâce. C'est une jeune fille. C'est une grâce. Tu te permets de vivre, là. C'est une grâce. Même pas 35 ans. Moi, quand on te voit là, on sait que tu as une petite fille. Oui. Donc, je l'avais aussi venu couper pour jeter même là. Josie, quand toi, tu as fini ton direct, c'est à quel moment la maman s'est rendue compte? Quand j'ai fini mon direct là. Quand j'ai fini mon direct, après, je suis partie sur le direct. Tu connais John, non? John Zia. Voilà, je suis partie sur le direct de John Zia. Donc, on est en train de parler de ça encore. On parlait de ça. Pendant ce temps, toi, tu étais en live. Avec les wakatologues, je sais pas où, là, je pense que c'est chez qui là. Quand tu as fait ton direct à quelle heure, s'il te plaît? Où elle est venue rusher là? J'ai fait mon direct vers aux environs de 22h par là. Donc quand tu as fini ton direct, le même jour, tu es parti chez John? Quand j'ai fini mon direct, le même jour, je scrollais et puis j'ai vu John Dia en live. Non, je suis montée sur le live. Quand je suis montée, il y a des abonnés qui m'ont vu aussi qui sont venus. Donc on papotait. Pendant ce temps, on m'a même dit que j'étais sur un live où on faisait écouter. Mon live, un truc comme ça, je sais pas. Donc, pendant qu'on parlait chez Dia, là, pendant qu'on parlait chez Dia, toi, t'es rangé. Mais Dia ne concernait même pas le truc, même. Si?
En fait, non, au début, quand j'ai arrivé chez Diane... Après, non, attends. Quand je suis arrivée chez Diane, au début, on parlait de choses, de tout et de rien, tu vois. Mm. Après, on a commencé à rancher encore sur le problème de Viviane et mon cas, là. Mm. Tu comprends? C'est là maintenant que mais John y me avait dit... pas de Viviane et moi, en ce moment. Il y avait un problème, mais ça, parce qu'elle avait déjà parlé de ça sur mon panier. Oui. Voilà. Donc j'ai dit que Carmen allait casser le papo. En ce moment, elle ne savait pas que c'était voilà. Viviane qui fallait ça. Ou bien, elle non. Savait. Quoi ça? Comment elle a su que c'est Viviane qui a cassé? Parce qu'elle a fait croire qu'elle ne sait pas que c'est Viviane qui a parlé. Mais elle, quand elle est venue sur le live, elle m'a demandé... Parce que non, on parlait de, on était en train de rancher comme d'abord, on était en train de rancher ici là. Mm-hmm. Et donc, et que je dis, on parlait puis j'ai dit et que mon Kala, voilà que ah, apparemment Wakazi va casser le papo sur son mm-hmm. live. Mm-hmm. Tu comprends un peu. Donc pendant qu'on parlait comme ça, il y a Dia qui m'a dit, je suis maman Kala est là. Mm-hmm. Elle est genre elle était en mode spectateur, mais non on savait même pas qu'elle était dans le live. Donc nous on renchérissait, on était en train de rancher fort. Mm-hmm. Déjà, la maman était calée sur le live. Tout ce qu'on a dit, là, elle a entendu. Donc, en même temps, quand il a dit que Wakadi va casser le papo net, elle est montée. Mm-hmm. Donc, elle est montée, elle a commencé à. Elle a commencé à. Ça montre que c'est pas un buzz, si c'est Wakatologue même qui a dit qu'elle allait casser un papo. Non. Wakadi a enregistré le direct de Jossi. Mm-hmm. C'est ça qu'elle a dit qu'elle va faire casser mon papo, parce qu'il y a eu un cassement de papo qui était sur le palais de Jossi. Maintenant, Jossi, maintenant, qui s'en va maintenant chez Dia, quand elle finit son direct, chez Dia. Là-bas, ils sont rangés pour dire que ah, il y a un papo qui était cassé, c'est Waka qui a cassé ça. Donc la dame monte subitement dans son direct. Donc vas-y, continue. Donc la dame est montée, elle est montée. C'est que pendant qu'on parlait, quand j'ai dit, parce que moi-même, Waka ne m'a rien dit. C'est dans les commentaires, on me disait que ah, Waka est sur un live là-bas. Waka est sur un live là-bas. Elle dit que ah, c'est un bon papo, hein. Que ah, elle va casser le papa en exclusivité, tout et tout. Donc, moi, j'ai repris, au fait, les propos. Pendant que j'étais en train de rancher par rapport à ça, j'ai repris les propos. Donc, je parlais. En même temps, mon moment qu'elle est montée sur le live, elle dit, ah, mais ça, c'est pas un papa. Ça, c'est pas un papa. Wakadi va casser, mais ça, c'est pas un papa. Toi, t'entends? Ouais, papa. Tout le monde sait que je suis malade. Mes proches me savent que je suis malade, je saigne, c'est normal parce que j'ai des valves. Tout le temps, elle a commencé à expliquer un peu sa maladie. Elle a commencé à expliquer un peu que ça, c'est pas un papo, c'est qu'il y a un papo. Tout comme tu dis que Wakadi va casser le papo, là. Moi-même, j'ai tout dit en même temps. Que c'est pas un papo par rapport à mes papiers, là. Je peux perdre des papiers. Ça arrive à tout le monde. Je peux perdre des papiers. Je peux égarer des papiers. Donc, finalement, je vois pas en quoi c'est un papo. Donc, elle a commencé à parler. Apparemment, elle pensait que c'est moi, mais je t'ai dit, maman, c'est pas moi qui suis venue parler c'est de ton problème. Que c'est Viviane. Elle dit, ah bon, c'est Viviane qui est venue te dire. C'est Viviane qui est venue te dire. Alors, parce que ta mère faisait là, c'est un peu Jean, c'est Waka qui m'a dit. Ta mère faisait ça, parce qu'elle a entendu papa. Donc elle s'est dit que c'est Waka. Donc je veux rétablir la vérité. Elle dit, c'est pas Waka qui m'a dit, que c'est Viviane qui m'a dit. Mm-hmm. Donc quand il a dit le nom de. Elle dit, ah bon, que c'est Viviane qui t'a dit. Moi je me suis confiée à elle, je l'ai vue. Elle, c'est une maman, je l'ai vue. C'est pas une Viviane, c'est pas une petite fille. C'est une maman qui a près de 50 ans. Tout et tout. Moi, je me suis confiée à elle, tout et tout. Tout et tout. Je lui ai demandé un service, là. Donc, c'est pour ça qu'elle venait étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux, tout et tout. Donc, elle a dit ça. En tout cas, elle a parlé. Après, elle est descendue. Mm-hmm. Et puis, je ne sais pas, il y avait quoi encore. Après, elle est remontée encore. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, au fait. Mm-hmm. Sinon, de mon panel, là, moi, je suis allée chez Dia. Chez Dia, même, on ne parlait même pas de ça. On parlait d'un autre truc. Donc, vous savez, forcément, souvent, là, vous allez parler, causer, quand forcément, ah, s'il y a un sujet. Bonne monétisation. On dit monétisation, mais on l'a envoyé 127 000. Mmh. Moi. Ça, c'est quelle monétisation, ça? Du coup, si je veux bien comprendre, là, quand elle est venue, là, elle a appris que Viviane a dit un peu. Donc, là, en même fait, temps, non. Elle a problème, peut-être. Elle est en mode spectateur. Peut-être que ses papiers sont perdus. Elle a voulu tout en même temps. Il ne faut pas que Viviane... J'ai dit, certificat médical, là, c'est faux. Et puis après, maintenant, elle est partie attraper Viviane direct là-bas, maintenant, pour dire que pourquoi tu allais dire ça. Quand Viviane a fini de casser papo, on peut dire que c'est sur mon live. Si on doit dire papo, on peut dire que c'est moi qui avais l'exclusivité, puisque c'est sur mon panel. Elle est cassée. Quand elle a fini de casser sur mon panel, là, elle est tranquillement, elle est descendue. Elle est partie vacances à ses occupations, tu vois, non? Maintenant, je n'avais pas sommeil. Les gens ne vont pas voir, genre. Voilà, vu que bon, je passe tato et tout. Elle a fini de s'entendre sur les réseaux. Parce qu'elle dit que elle et puis Viviane, elles étaient en communication. Viviane, elle a dit dans un panel que Viviane a bloqué. Après, elle a dit que avant que Viviane ne monte sur toi, ton panel, les deux étaient en ligne.
Mais elle a dit qu'elle n'a pas bloqué, que c'est maintenant qu'elle a fait direct à Waka, qu'elle a bloqué avant de monter, qu'elle a causé glagla. Mais afin de bloquer le sien, on n'est pas là-bas pour savoir. Après, il vient de cette disparité. Je pense que, comme son problème, il n'est pas dit que le problème qui attend de l'arrivée dans sa vie. Elle veut faire comme si c'est pas papa. Elle veut rendre ça en dérision. Non, non, elle a créé papa pour qu'on puisse trouver une solution pour elle. Et ça a mangé. Non, attends, elle dit, je ne suis pas d'accord. En fait, non. C'est pas qu'elle a trouvé papa. Elle a dit quelque chose. Elle a dit à Viviane de sortir. Non. Elle a dit quelque chose. Si c'était ça, elle n'a pas choisi le live de Josie. Oui, hey, elle a choisi un bon live, elle s'est aussi connue. Et puis non, arrête de dire quelque chose. Hein. Oh, c'est pour ça que quand l'affaire a commencé même là, nous on n'était pas étonnés. On la connaît, Viviane, depuis chez Serge. Elle parle comme ça, elle parle beaucoup. On la connaît. Ça sent comme ça, si tu l'as pété tout ce site là. Elle va te dire, c'est la papa là. Comme si on la connaît. Pourquoi tu dois lui expliquer ton affaire si tu veux pas que ça sorte? Elle ne connaît pas Viviane. Mais nous, là, nous qui sommes sur le panel de Serge, là, on l'a étudié. C'est une gola qui arrive chez Serge comme ça. Attends, tu vois que la femme ne la connaît pas, Viviane. Elle la connaît. Elle est dans la même team que vous. Même si vous ne connaissez pas, toi, tu n'es pas active. Mais Viviane est très active. Si Viviane lui manque, elle est sa star. Elle a resté en tant que maman. Elle a fait ses courses. Elle envoie ici. Elle paye, c'est assez arrivé payé. Tu as suivi le. Attends. Tu n'as pas parlé. Ah, mais est-ce que tu as suivi le direct de influenceur? Tu as suivi le live de influenceur? Sur le live de influenceur aujourd'hui là, Gaga a parlé. Gaga a dit que c'est grâce à elle Gaga que maman Carla a eu le numéro de Viviane. Sinon à la base là, maman Carla s'est confiée à Gaga. Tu comprends? Et Gaga m'a dit avant de lui remettre le numéro de Viviane, elle a hésité pour dire parce qu'elle avait connu le personnage. Maintenant, pourquoi tout est menti? Ah, sinon, Gaga, aujourd'hui, là, nous tous, on était là. Moi, je suis montée sur le panel d'influenceurs. Gaga a tout expliqué. Juste après, elle s'est fâchée. Elle dit que plus jamais elle va aider quelqu'un. C'est terminé. Parce que dans l'audio que Waka a joué hier, là, Viviane disait que oui. Même Gaga m'a dit que la vieille, là, elle est épuisante. Elle est fatigante. Tu comprends que Gaga s'est retrouvée aussi mêlée à ça? Parce que dans l'audio que Waka a joué, où elle nous a enregistré sur mon live, là. Quand Viviane renchérissait, elle a dit que oui, elle fatigue. J'ai cru qu'elle a pris paracétamol. Que même Gaga même a dit que la vieille, là, elle est fatigante, elle stresse, un truc comme ça. Donc, en jouant les capsules là-bas, là, Gaga a entendu. Gaga a dit à la base, là, quand mon cara l'a appelé pour demander cardiologue, là, elle ne voulait pas donner le numéro de Viviane. Elle connaît le personnage. Elle a dit, maman, mais c'est Maman Carla qui a insisté, qui a dit non, faut laisser comme elle a Abidjan ici. Je suis venue, je n'ai personne, elle pourra m'aider dans mes courses. Elle aussi, elle s'est dit, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Bon, attends, toi, tu finis de déposer ton dossier de visa retour et puis c'est maintenant que tu cherches cardiologue. Ça ne tient pas. Non, pour faire un check-in. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle, j'ai écouté ce qu'elle vient à dire. Expliquer. Apparemment, elle doit rentrer, elle a besoin des papiers. Je sais pas si elle a un statut de malade ou bien de. Je sais pas comment ça se passe, mais apparemment, elle doit rentrer maintenant sur la France. Et vu qu'elle n'a pas ses papiers là. Excusez-moi, elle devait avoir une. Maman, c'est Omer, elle est française. Elle est française, non, elle n'est pas française. Elle n'est pas française. Elle devait avoir un petit, je sais pas si c'est un certificat ou bien quoi, en tout cas un papier. En tout cas, pour aller régulariser ses papiers-là, elle devait avoir un papier de, comment on appelle ça, d'un professeur, d'un cardiologue qui dit que vraiment elle est malade. Oui, ça j'ai suivi dans les rediffusions. Voilà, qui dit qu'elle est malade. Donc c'est ce papier-là, apparemment, que le cardiologue a donné. Parce qu'elle parlait, elle a dit qu'elle n'a même pas précisé le papier. Elle doit prouver qu'elle est malade dans visa retour. Je comprends pas. Moi, je sais pas, mais quand on parle du voir ou bien en France. Quand Viviane a parlé là, Viviane a dit que vu qu'elle était malade, un truc comme ça, c'est vrai qu'elle saignait. En même temps, il lui fallait un cardiologue. Mais en même temps aussi, par rapport à ses papiers retour là, elle a un statut. Je sais pas si, en tout cas, je sais pas comment ça se passe là-bas. Mais le médecin devait lui donner un papier, un certificat. Qu'elle devait prendre pour justifier à l'ambassade, mais quoi? En tout cas, elle a expliqué un truc comme ça. Qu'elle devait prendre pour justifier un certificat médical. Mais si elle a besoin d'un certificat médical pour justifier son retour, elle ne dépose pas le dossier de retour? Comment ça? Attends-toi, on t'a dit que tu dois demander un papier retour, non? Il y a un papier qui manque, est-ce que tu déposes le dossier pour demander un visa retour?
Donc, tu vas faire le papier d'abord avant de venir déposer le dossier. Tu ne déposes pas le dossier sans le papier. Ah, bah c'est pourquoi on te dit soit c'est Vienne qui a mal expliqué. Parce que Gagla a renchéri dessus ainsi le panel de questions. La femme a dit qu'elle n'avait pas besoin de papier, finalement. Que le papier ne lui a servi à rien. Mais yo dit, pour quelqu'un qui a eu une opération comme ça, elle voulait aussi avoir une attache d'un bon cardiologue en Côte d'Ivoire, vu qu'elle est là. C'est pas méchant aussi. Même si ça n'a rien à voir les papiers. Mais comme c'est Viviane qui est toujours dans les lives, en train de dire qu'elle connaît les docteurs, les cons, les ministres, tout ça. En tout elles, cas, elles, ils ont pu donner. Certificat médical pour appuyer son dossier de visa. Est-ce qu'elle a besoin d'appuyer son dossier de visa? Moi, j'ai dit autre chose. Je peux vous dire que mon papier est perdu là. Je m'en vais à l'ambassade. Mais c'est eux qui vont contacter ma préfecture ici pour savoir si réellement il y a une de ces jours en cours de validité. On va savoir. Les préfectures qui sont encore acceptées l'attestation de prolongation. C'est écrit même sur le document. Ça ne te donne pas le droit de voyager en dehors de l'Union européenne. Et ça ne te donne pas le droit de séjour même. C'est écrit dessus, sur attestation de prolongation. Là. Ils ont écrit dessus, ça ne te donne même pas le droit de séjour. C'est juste pour tes droits qu'on te donne. Voilà, c'est juste tes droits. Tes autorisations de travailler, tes autorisations d'avoir tes allocations, c'est juste pour ça qu'on te donne. Ça. Ça pas de... ouais, on est en train de sauter son lien en live, elle est au camp. Donc, peut-être qu'ils l'ont appelé, elle va venir deux jours. Oui, oui, moi je pense qu'elle va venir, mais si ça va être ça, elle est partie, ça va être chaud. Peut-être c'est pour ça qu'elle a tout fait pour que ça devienne buzz, pour qu'on en parle, pour que quelqu'un qui connaît quelqu'un puisse l'aider. Parce qu'elle est. Elle devait venir te voir ton ordinateur, mais tu as décanté sa situation. Il m'a vu. Elle va venir te voir directement. Pourquoi passer par tous ces buzz? Si elle vient de voir, elle a appelé l'ambassadeur. Allô, l'ambassadeur? La femme, là, elle a une valve. Si elle va m'appeler. Elle a parlé chez Viviane. Attends, Viviane, elle est une mystique. Si elle m'a appelé dès qu'elle a repos, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas. Avec toutes les relations, mais les relations de Viviane, là. Moi-même en France, ici, t'as dit qu'en France, ici, là, directement, l'ambassade est contactée. En plus, elle a pris, elle n'a pas besoin de me dire. Elle m'appelle, Edwige. Mm-hmm. Elle m'envoie toutes les photos. Moi, je m'envoie et son médecin. Si c'est vrai qu'elle est malade, je m'envoie et son médecin. Ah, il faut demander à mon frère de finir ça. Je m'envoie et son médecin. Mm-hmm. Quand je vois son médecin, c'est fini. Son dossier, mais qu'elle va aller déposer. C'est-à-dire qu'avant qu'elle va rentrer dans l'ambassade, l'ambassadeur même l'appelle pour dire que madame, c'est bon. Passez le visa, retournez. Ouais, mais de toutes les façons, tu sais ce qui se passe. En France, ils te laissent sortir, hein, parce que eux, ils savent très bien ce qui se passe. Donc eux, ils vont pas t'empêcher de sortir du territoire. D'accord. Oui, on a fait un retour volontaire. Bon voyage. On a fait un retour volontaire. Est-ce qu'ils savent toi tu tapes quoi? En tout cas, et puis eux, ils te préviennent pas. Eux, ils te disent pas que non, tu es parti, genre, t'es maintenu. Non, on a fait un retour volontaire. Non, sinon t'as chassé. Y a pas de souci, faut partir. Non, quand tu vas revenir maintenant, on dit le papier est en train d'avoir bien lu ce qu'on a écrit dessus là. Aïe, oh, bien dit. C'est là maintenant, tu as un moment à Abidjan. Si c'est son séjour qui est perdu, c'est bon. Mais si c'est son attestation de prolongation qui est perdue là. Mais ce séjour, l'adresse a déspiré. Sinon, si ce séjour était là, elle n'avait pas fait, elle n'avait pas duré comme merci. Ça. Mais je ne comprends pas pourquoi exactement. La femme est en train de paniquer et puis elle avait créé buzz autour de ça. Mais elle, son mais elle doit faire un passage. Oui, c'est ça. Elle a tout à fait raison, Mabio. Si le titre de séjour était là, la discussion n'avait même pas lieu d'être. Oui, ça n'a pas lieu d'être. Oui, elle a dû expirer. Non, elle sait que ses papiers vont se périr. Elle va prendre des risques de voyager comme ça. Non, elle a forcément peut-être vraiment perdu. Elle dit là, le récépissé, même si tu as perdu, là, tu as les traces, non? Où tu as fait, là, si tu donnes ton nom, là. Et bon, moi, je ne connais pas, je ne suis pas en France, mais. C'est rapide. Attestation de retour, là, c'est rapide. C'est comme moi qui dis. Mabio, comme elle n'est pas sur place. C'est rien que les procédures de rendez-vous, peut-être de l'ambassade, qui peut rendre ça long. Ah, quand dis-moi, ouais, moi, le temps d'avoir le rendez-vous. Oui, quand tu es Mabio, quand tu t'en vas déposer une demande de visa, là, tu dois prendre rendez-vous, ou bien tu t'en vas comme ça. Non, prends rendez-vous. Ah, donc ça aussi, c'est un temps d'attente. C'est ça. Ah, donc elle avait le rendez-vous, elle sait que c'est urgent. Et puis elle n'a pas dû voir le cardiologue, là. En tout cas, Abidjan, c'est là, on va vite. Son nom, ses zéros vont finir. Parce qu'elle est venue avec 500 à Viviane, non. Ah, c'est chaud. C'est chaud. En tout cas, c'est que Viviane est là. Si tu as des topos. Mais Mambio, toi, tu es là debout, elle est là. Moi, je n'ai pas les relations de ça. Moi, je connais quoi de la France? Mambio, moi, je bois tes thés. Toi, tu t'en vas à US. Toi, et moi, la même chose.
Non. Attends, moi, il n'y a pas de conseils pour lui dire. C'est bio détox. Ah, ou bien. Ou bien. Le coupeur vend pour jeter. Ah, pour jeter, boire. Toi, tu bois pas. Et toi, elle t'a dit quoi? Moi, elle quoi? Elle était piquée là-haut. Edwige, il est où le thé? Tu nous parles du thé, mais on ne le voit même pas. Il est où? Mais la, fille, ah, pas. Mais la publicité, quand même, montre-nous le thé, je sais pas. Elle, même, elle a la pub, elle te la vend pas. Mais pourquoi tu as douté du fait qu'elle boit? Elle a fini de boire du thé. Actuellement, il n'y a pas de tombola. Il n'y a pas de tombola. Il n'y a pas de tombola, c'est bio de temps. C'est pire qu'elle a fini de boire, elle va garder le papier pour pouvoir avoir un billet d'avion pour boire. Elle a fini de boire, je jette à la poubelle. Ce n'est pas un trophée. Donc, on ne peut pas le montrer. Sinon, elle a bu mon produit, mais il y a quoi? J'ai l'arrivage même qui doit venir. Ah, mais moi, je n'ai pas peur, parce que je vois ma bio, c'est beaucoup sa pub sur les réseaux sociaux. Non, mais pour qu'elle fasse ma pub, je dois la payer. C'est une cliente comme une autre. Je me souviens de l'une des vidéos de ma bio où elle disait va, il va falloir que je fasse vite la publicité de cette dame, sinon elle va me tuer. Elle était à Macron avant. Donc, mamie, bon, la femme là, mamie casse-cou. Vrai là. Il t'a dit, bon, mes enfants là, c'est l'esprit. Tu vois, je dis où il est couché. Il est collé à moi. Mais tu es là, il doit le soulever pour les mettre dans son lit. Une vie. Et t'as dit, oh, on va écouter. Tu m'as dit que tu es. T'as dit que. C'est dit que. Bref, elle te laisse être démon. Oui. Bon, elle te laisse. Je dis, tous ceux qui sont rapprochés de moi, le bonheur dans leur vie, ça ne chauffe pas. Moi, je vous dis, tous ceux qui sont rapprochés de moi, le bonheur dans leur vie, l'aura qui se dégage autour de moi, c'est la réussite. Mm-hmm. C'est pas la poisse. Amen. Ou bien. Ah, tu vois, bien la réussi. Depuis elle a prononcé mon nom dans sa bouche, quand elle finit, sa vie a changé. Elle a commencé à taper les millions et des millions. Il y a une maman qui a fait sa délivrance, elle a commencé à taper les millions. Ses produits ont commencé à se vendre. Elle-même, elle n'a rien compris. Un coup, bouca ça dans son dos. C'est la bénédiction des vies qui a coulé sur elle. Aujourd'hui, là, elle sera. C'est-à-dire que même Carmen, ça m'a va déposer à côté d'elle. Ça change. Elle dit que tu vois, je ne vois pas beaucoup. Un moment, tu venais beaucoup à Abidjan. Il y a eu quoi? La galère va me tuer, maman. La France a serré le boulon. C'est ce qu'on dit. On dit actuellement, c'est un peu serré. Hein? Yeah! Et là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont même pas prêts, même. Ah, c'est ils chaud. Sont serrés. Il y a dit même ça. Les abonnements. Elle dit Gola. Il y a Gola. Elle fait premier de vue, maman bio. On dit que c'est 500 centimes. Dit, on dit même la monétisation Facebook et tout ça, on dit c'est serré maintenant que c'est plus comme avant et tout. Et la monétisation de Gola, sans combien de millions et c'est assise par terre. Mmh. Elle a mis la star, même moi-même la poivrolo, il ne veut pas ça. Ah, donc elle est très active sur Facebook. Moi, c'est sur TikTok, c'est moi la voix. Oui. Non, mais c'est après préparer les vacances. Et puis là, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'anniversaires, beaucoup. Les dépenses, ces dépenses sont trop. Les dépenses, c'est plus mon cher. On voyage pas pour voyager non plus. Hein. Oui. Les dépenses sont trop. Ah, oui. Oh, j'ai bien rigolé ce soir. En tout cas, il y a eu des sangs, il y a moi-même à faire. Félicitations à toi, ma chérie. Je vais chercher à marcher un peu. Je suis trop. En tout cas, le dîme d'État. Oui, elle s'est fait quelques mois. Mais il y a des écrits, quand tu ne m'as pas lu dans ton direct, pardon, il faut prendre rendez-vous pour moi, maintenant. Ah, je n'ai pas vu. Ok, oui, je dois aller demain, même le premier, je dois aller voir. Je dois aussi aller faire les dents. Ah, il faut prendre rendez-vous. Je vais aller voir. Il n'y a pas tous les renseignements là-bas. Ah, il faut prendre les renseignements. Parce qu'il y a fait mes dents aussi. Oui, tu dois faire un glow de tes dents parce que vraiment. Mm-hmm. Moi, ils ont pas eu mon bas avant qu'ils essayent de couper pour jeter une fois. Vraiment, on dit bouge vite, elle doit tout remplir pour t'asseoir. Vraiment. J'espère que vous n'allez pas tailler les dents parce que c'est apparemment. Non, moi, mes dents peuvent tailler. Ça va, ok, j'ai eu peur. Non, il y a plusieurs. Pourquoi on doit les mettre dans la bouche, c'est si bien, vous les mettre dans la bouche. Il y a un parti estime, il y a comme ça, il n'y a pas payé cher. C'est trop le riz de moi. Il n'y a pas payé pour jeter. Moi, il n'y a pas payé pour compléter. Ils vont lui mettre un peu près. Attends, elle descend. Tu es trop fort, toi. Moi, j'ai besoin d'une augmentation dentaire. Ouais. Hé, hey, Muriel, toi, si tu as fait rêver. Elle te demande une chanson depuis tout à l'heure, Edwige. J'ai une tarte.
J'ai une carte de, bon, je ne sais pas c'est quelle année, qui est périmée. On m'a demandé 6 mois. Je peux voyager en Côte d'Ivoire. On m'a quoi? On t'a demandé. On t'a donné. Tu as une carte de combien? Il faut réécrire, Rosine. Il n'arrive pas à lire. Oui, oui, il va libérer la bouche. Je suis bien un peu pour prendre. Elle va remplir pour moi un peu. Ah, le générique, vous aimez trop ça, là. Il y a Sekina qui est monté, non? Bonjour. Bonjour, Evige. En tout cas, moi, je peux prendre la parole. Vas-y. Mais j'ai dit comment on peut être dans son propre pays et puis être tremblé comme ça, je comprends pas. Qu'elle reste là-bas pour gérer son restaurant en même temps. Là, je veux pas, c'est... Non, mais il y a rien de rigolo là. Peut-être elle a des obligations. Elle est là en train d'insulter les gens seulement sur Internet. Une vieille femme comme ça. Non, mais on rigole, on renchérit, on renchérit. Elle n'a qu'à gérer son restaurant là-bas en même temps. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi elle est excitée comme ça. Que c'est pas papa, c'est pas papa, c'est pas papa, tais-toi. Hein? Merci à Viviane pour le son, en tout cas. En tout cas, c'est Viviane qui a fait le son. C'est Viviane qui a fait le son. T'es content d'être à manger quand tu sors là? Ouais. Salut, en tout cas, tu vas bien? Ça va? Elle je peux cette danse, elle est trop sérieuse. Hein. Oui. Là, tu vas prendre ta douche? Oh, la bouche, c'est bien, t'inquiète. La manger quoi, là, s'il vous plaît? T'as vraiment la forme d'une petite fille de 16 ans. Ouais, mais il reste une bien enfant, hein. T'as bien la petite vue, quoi. Hein? Ah ouais? Moi, en tout cas, moi, je mange plus. Allez, viens dehors. Maman qui m'a fait pipi sur mon lit, là. Il lui a même pas mis la couche. On vous écoute. Elle est partie, la femme, là. Hein? La femme qui devait partir, est partie. Hein? Elle est où? La femme est partie. Ah, on a une fondatrice avec une directrice de Beaux-Aïeux. Tu es Muriel. Ouais, Elvis, c'est comment? Muriel, pourquoi tu es comme ça? Bon, ça va? On a une fondatrice. La personne qui a créé le Beaux-Aïeux. La personne qui a créé le Beaux-Aïeux est la fondatrice. La directrice est la fondatrice. Gars, c'était un show hier. C'était un show hier. On vous écoute, monsieur. Quand vous êtes le seul, monsieur, on vous donne l'honneur. Allô? Oui, ouais, c'est fait... comment, ouais. Bonjour Mamadou, on dit quoi? Tu vas bien? Oui, je vais bien, et toi? Ouais, ça va. Faut pas venir gâter mon sujet. Tu sais de quoi on parle? Voilà, on ne te moque pas. C'est pas le sujet. Faut descendre, tiens, écouter en bas. Muriel, vas-y. Ah bien, non, non, tu veux dire quelque chose. J'ai dit on pouvait avoir comme ça. Attends, attends, on va parler. Ah, voilà, c'est nous qui sommes en train de parler. Attends, Muriel, c'est nous qui sommes en train de parler. Non, non, je suis en train de dire, tu es en train de danser avec la forme d'une petite fille de 16 ans. Mais après, j'ai plus rien dit et je laissais le monsieur parler après tout à l'heure. Ok, donc Muriel, vas-y, si il y a quelque chose qui lui revient, va roncher. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a une directrice et une fondatrice des Beaux-Aïeux, quoi. Moi, j'ai aimé même le dossier. Il y avait des secrets comme ça qui étaient cachés. Elle n'est pas rentrée en Côte d'Ivoire. Viviane, elle loue dossier comme ça. La directrice et la fondatrice des Beaux-Aïeux. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Ouais.
Ah oh, dans la vie là, c'est ça qu'elle a oh. Gars, il y avait les gens qui ont fait Boza aussi. Je comprends pourquoi elle adore sa fille là, parce qu'il y a la directrice et la fondatrice. Je comprends maintenant. Sinon, on les suit. On comprend le point qu'on met. Ok. Tu casses pas pour comme ça. Il y a les gens qui connaissent vie privée des gens. Les gens voient sur TikTok là. Tu vas laisser quelqu'un rentrer dans ta vie comme ça. Oh, pourtant, les gens sont méchants sur les réseaux. Tu as laissé quelqu'un va rentrer dans ta vie. C'est pas bien. Vous êtes connu sur TikTok. C'est sur TikTok, vous voyez. Si tu veux sympathiser à la personne, vous voyez dans un restaurant, bref. Mais pour dire que tu vas laisser quelqu'un va rentrer dans ta vie pendant que les gens rient, mais ils ont un fond qui est très mauvais. De nos jours là, tu n'as pas laissé quelqu'un rentrer dans ta vie, tu ne sais même pas la personne a quelque chose derrière sa tête. Pour venir, comment elle peut renchérir? C'est vrai, la maman a déconné. Mais comment quelqu'un peut venir renchérir sur la vie d'une maman comme ça? C'est pas bien. Je ne suis pas dans sa vie, je ne suis pas dans sa vie au fait. Je vais dire que Viviane même là, Viviane c'est vrai, les gens sont en train de la blâmer pour dire Viviane, mais Viviane même là, elle est à méfier. Vous êtes sûr que qui va se confier à Viviane? Qui va s'approcher de Viviane? C'est ça. Viviane, elle est à méfier, elle est à craindre. Vous savez, on est en train de rire, on est en train de dire ça, mais Viviane même, elle fait peur. Viviane même c'est qui? C'est ça la question qu'ils vont te poser. Est-ce que toi tu connais Viviane? Tu vas appeler Viviane? Non! C'est la femme là même qui est partie donner son affaire à Viviane. C'est elle-même qui voulait que ça arrive sur les réseaux sociaux. C'est ça que ça t'a dit là. C'est elle-même qui voulait que l'affaire arrive sur les réseaux sociaux. Sinon, Viviane, tu la connais où? Tu avais besoin des cardiologues. Tu as eu cardiologue. Tu as pu avoir ton rendez-vous. Maintenant, ta connexion avec Viviane, ça émane de quoi? Allez expliquer ta vie privée à Viviane, c'est quoi? Communiquer, c'est-à-dire que communiquer les gens. On se plaignait pas que Rosa, on se plaignait pas que Flora Zalo causait avec ses assistantes sociales en direct. On se plaignait pas de ça. Elle-même n'était pas la première à causer avec quelqu'un. Mais tu n'es pas avec quelqu'un en direct. La personne qui est en face de toi, il entend tout ce que tu dis. Même si ça ne l'intéresse pas, il peut boucher son oreille. Aïe, en fait, c'était la vérité. D'abord, elle se fout des gens. Genre, je lui ai pas expliqué. Je parlais au téléphone, elle a entendu. Donc, quand tu parles au téléphone, ton oreille, là, c'est ça triste, c'est que ça doit attendre. Tous les sons qui arrivent, ça rentre dans ton oreille. Mais si tu n'as pas envie d'écouter, tu arrêtes d'écouter la personne parle. Tu entends ce qu'il dit? Aïe! Ta femme là, elle-même a envie de raconter des bobas. Elle-même voulait que l'histoire s'arrive sur les réseaux sociaux. Mais elle ne voulait pas que ça passe par elle. C'est tout. Sinon, en fait, tu as appelé quelqu'un. Tu as dit à la personne, ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. Maintenant, toi, tu dis à quelqu'un, ça n'a qu'à rester entre nous. Là, tu dis qu'elle n'a qu'à te mettre en contact avec la personne qu'il a été à avoir un cardiologue qui devait rester entre vous. Pourtant, tu as déjà eu le cardiologue, tu as déjà fini de signer le papier. Maintenant, tu t'en cherches bien, tu vois. Après papier, la suite avec Viviane, ça servait à quoi? Est-ce qu'elle avait besoin d'être avec Viviane? Non. Le papier du cardiologue, elle avait déjà été fait. Combien? Elle-même l'a partagé, tout le monde savait. Elle-même a dit que ce n'est pas secret parce qu'elle-même, sa bouche parle trop.